Justin Thier, coordonnateur offensif d'Équipe Canada, tes impressions du match contre les Japonais, une équipe qui était fin prête? Il n'y a aucun doute qu'il était fin prêt. Je pense même que contre l'Allemagne, on dirait qu'on s'attendait à tellement d'eux autres contre l'Allemagne que je pense pas qu'ils ont eu leur meilleur match. En tout cas, moi, personnellement, je craignais justement que là, je pense qu'ils étaient vraiment prêts pour ce match-là. Leur carrière a connu un grand match. On n'avait pas vraiment vu ça dans le premier match. On a connu tout un match. Donc, on a revu vraiment l'exécution de japonaise là, qu'on craint à chaque fois qu'on joue contre eux autres. Mais encore une fois, c'était un match très enlevant, une fin enlevante. Je pense une belle. En tout cas, ça va être un beau souvenir pour nos joueurs, il n'y a aucun doute. Maintenant, on parle de carrière. Parle-nous du carrière Jérémy Doyon-Roch, un jeune quart arrière qui a bien fait dans ce match-là. Oui, c'est ça qu'il pense qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est mené par deux carrières de 17 ans dans un tournoi quand même de 20 ans et moins, donc c'est assez extraordinaire. Connu tout un match, évidemment une remontée avec 1 minute 30 à faire, remonter le terrain, donc était très méthodique, a gardé son calme, a très très bien fait, donc... encore une fois, ouais, il se comporte extrêmement bien. Puis c'est toute la maturité pour un jeune de 17 ans. C'est assez incroyable. Il fait extrêmement bien. Maintenant, en prévision du match contre le Dream Team, l'équipe américaine ici, l'équipe à battre. Oui, c'est certain que les Américains ont toute une formation. Je pense que il faut comprendre que c'est une délégation d'étoiles à travers les États-Unis. Donc, c'est toute une équipe, là. Mais encore une fois, on va se monter un plan. On va se donner un plan précis. Puis... encore une fois, je pense que nos joueurs vont profiter de cette opportunité-là. C'est une super belle opportunité, puis on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde dimanche. Je pense que ça va être une grande expérience. Mais encore une fois, on sait qu'ils ont beaucoup de talent, mais on va se préparer en conséquence. Justin Thier, merci. Merci.